بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ونبصوين إن شاء الله تبارك وتعالى نتخلق جمتنا سفينة النجاة للشيخ العلامة الفقيه الفقيه سالم بن عبد الله بن سمير الحضرمي رحمة الله عليه رحمة واسعة نقول بتغمني في الدرس الماضي بحمد الله رب العالمين تسكت مغطوخ Les ablutions, les piliers des ablutions, al alouddou ou bien arkan, alouddou. Ensuite, on avait vu également donc la définition de nia et ce qu'avait mentionné l'auteur, rahimahullah taala, concernant celle-ci. Ensuite, l'auteur, rahimahullah taala, comme vous pouvez le voir dans le PDF qu'on a vu, qu a envoyé dans le groupe, il poursuit avec un nouveau, un nouveau fâcle, un nouveau chapitre. Désormais, à partir de maintenant, il y a Inch'Allah, on va commencer à aller un petit peu plus vite. Le but étant, ce n'est pas de se dépêcher dans la lecture ou quoi, que ce n'est pas cela, non, mais au départ, donc on a pris un petit peu notre temps, histoire de prendre un petit rythme, de s'habituer aux lectures, etc. Là, on va commencer à aller un, un petit peu plus vite, Inch'Allah, en restant toujours donc dans le. Dans l'objectif qu'on s'est fixé, à savoir ne pas trop s'étaler, se contenter de ce qui a été évoqué par l'auteur, en donnant des légères, euh, des légères explications, bien des petits détails, parfois quand cela est nécessaire, Un petit peu de patience. On prend 45 minutes. C'est Au départ, on a un petit peu débordé. On était bien. On était un peu plus vers une heure, etc. C'est peut-être pas évident. طيب ولكن كما جاء في حديث عائشة رضي عنها الأجر على قدر المشاق أو على قدر المشقة لا لا ريكومبانس est en fonction de l'effort la récompense est toujours en fonction de l'effort حديث عائشة رضي عنها c'est à dire que plus l'effort fourni est grand plus la récompense aussi également proportionnellement elle sera aussi également grande et comme dit Yahya ibn Abi Kathir رحمه الله تعالى لا ينال العلم براحة الجسد On ne peut pas obtenir un minimum de savoir avec le repos du corps, sans faire des efforts, sans faire un minimum euh, d'ishtihad. Mais vous allez voir, ça va aller très très vite. Inshallah, tabaraka wa ta on essaie de prendre ces 45 minutes, ces 50 minutes, ces 55 minutes, peu importe, pour essayer, inshaAllah wa ta'ala, de prendre un minimum et un maximum, pardon, de fawa'id, de leçons. bénéfique que pour nous être profitable dans ce bas bon monde et dans l'autre inshallah tabarak wa ta'ala قال المصنف رحمه الله تعالى الماء فصل الماء قليل وكثير القليل ما دون القلتين والكثير قلتان فأكثر القليل يتنجس بوقوع النجسة فيه وإن لم يتغير donc ici l'auteur nous dit, رحمه الله تعالى nouvelle section Les d'eau. Il nous dit l'eau en petite quantité et en grande quantité. Donc là, on voit que l'auteur nous dit qu'il y a déjà l'eau se divise en deux catégories. On a l'eau qui est en petite quantité et l'eau qui est en grande quantité. Il nous dit, Rahimahullah, Al-Khalil ma al L'eau qui est en petite quantité est celle qui est en dessous de ce qu'on appelle de Qulla. De ce qu'on appelle de quulla. والكثير قلتان فأكثر القليل يتنجس بوقوع النجاسة فيه وإن لم يتغير والكثير لا يتنجس إلا إذا تغير طعمه أو لونه أو ريحه إن رحمه الله تعالى لو أن بتيت كونتيتي إت أن دوسو دو قلتين دو دو قلة لو أن غراند كونتيتي سي سيل كي أو دوسو دو دو قلة دو أو بيان En quoi c'est intéressant de savoir cela Pourquoi l'auteur, Rahimahullah Ta'ala, il nous parle de ça Les, les deux ce qu qui, qui, en, qui en réalité, en fait, deux grandes jarres, qui représentent à peu près, selon l'unité de mesure euh, de l'époque, et ce qu'on retrouve dans les livres des Shafi'iyah, c'est surtout l'unité de mesure de Bagdad, c'est Khamsemi Semi Bagdadiyan Taqriban Fil Asah. C'est à peu près 500 litres. Selon l'unité de mesure de Bagdad, comme on a pu voir dans maintenant Abishuja, ça équivaut à combien Nous, selon l'unité de mesure contemporaine, ça équivaut à peu près, à peu près, il y a une divergence chez les savants, mais entre 180 litres et 220, voire parfois même 230, etc. Donc, plus ou moins 200 litres. Plus ou moins 200 litres. Encore une fois, c'est approximatif, tamam. C'est approximatif. Donc, si je suis un petit peu en dessous, un petit peu au dessus, la yadur. il n'y a pas de mal à ce niveau-là. Insha'Allah, tabaraka wa ta'ala. Quel est l'intérêt ici? Pourquoi l'auteur nous parle de ces deux types d'eau? Tout simplement car chaque eau, l'eau, en fonction du fait qu'elle soit en petite quantité ou en grande quantité, alors il y aura deux statuts différents. Il y aura deux statuts juridiques différents. Il nous dit l'auteur, l'eau qui est en dessous de ces deux eaux-là, donc en dessous de, disons, 180 litres ou bien en dessous de 200 litres, alors cette eau, elle va devenir souillée, avec, elle, va, elle, elle risque de se souiller ou bien on la souille avec le simple contact de la souillure. On répète. L'eau en petite quantité est sujette à être souillée par le simple contact avec une nageasa. Même si l'eau, les caractéristiques de l'eau, ces trois attributs, ces trois caractéristiques, même si celles-ci ne changent pas, à partir du moment où elle a été en contact avec une impureté, avec une najasa, de l'urine, des excréments, ou autre, l'eau, elle devient Nadis, elle devient souillée si celle-ci est en dessous des, 200, des environs de 200 litres, si elle est en petite quantité. Donc ça, c'est notre premier statut. Deuxième catégorie d'eau, c'est celle qui est en grande quantité, Elle Kafir. Celle qui est en grande quantité, nous dit l'auteur, elle devient souillée que si celle-ci... Que si celle-ci change du point de vue de ses caractéristiques. Si son odeur a changé, si son goût a changé, si sa couleur a changé. Donc si l'une de ces trois, goût, couleur, odeur, elle change, là elle devient souillée. Là, elle devient, elle devient souillée. Tamam. Donc on répète, l'eau qui est en petite quantité. Le simple contact avec la najasa, cette eau, elle devient impure. Le simple contact avec une najasa, avec une souillure, un chien qui vient, qui lape, etc., qui lape l'eau, ça y est, l'eau, elle devient najisa. Par contre, si c'est en grande quantité, barakallahu là, il faut qu'il y ait une de ces trois, caractér de ces trois caractéristiques qui changent. Tamam Adahoua. Ensuite, l'auteur, Taala, après cela, il rentre directement dans Mudhiba al Rasul dans un nouveau chapitre qui, est, qui concerne ce qui rend nécessaire la grande ablution. Nous, avant de rentrer dans cela, avant de lire cette nouvelle section, il est opportun, il est opportun malgré tout quand même d'évoquer un point concernant l'eau. Donc, on a vu l'eau en grande quantité et on a vu l'eau en petite quantité. L'auteur, il, il a parlé de l'eau car on est dans le chapitre de la purification. Et l'eau, c'est la source première, la base principale pour effectuer la purification. Aslot Tahara, c'est Alma. À partir de là, les fuqaha nous disent quoi donc Ils nous disent qu'il y a trois types d'eau. Ils nous disent les fuqaha, Ta'ala, Anam, Afwan. Bien sûr, tout à fait, on a demandé. Euh, euh, est où on va faire ça tout de suite, inchallah Pour le partage d'écran, je n'ai pas fait... De... C'est où Voilà. Donc, Hey, hey, donc il faut qu'on voit fait D'abord, il faut savoir que les fuqaha ont dit que l'eau était de trois types. L'eau est de trois types. On a l'eau qui est pure et qui est purifiée, ce qu'on appelle l'alma l'eau qui est pure et qui est purifiée. On a une eau qui est pure mais qui ne purifie pas, ce qu'on appelle l'alma at On a ensuite l'eau qui est enfin souillée, l'alma un-najis. Donc ça c'est les trois types d'eau, les trois grandes familles d'eau guillemets que nous avons. L'alma at-tahour, ou at-tahhir, L'eau qui est pure et qui est purifiée, c'est n'importe quel type d'eau, peu importe sa provenance, l'eau de mer, l'eau des fleuves, l'eau de source, rivière, puits, neige, etc. Tant que celle-ci, elle reste sur son état originel. Donc c'est comme il dit Ibn Qasim, C'est tout eau qui est descendue des cieux, ou bien qui coule sur terre et qui est resté sur son état originel. Ça, c'est le maat tahou c'est l'eau qui est pure et qui est purifiée. On a un autre type d'eau qui est pure mais qui ne purifie pas. Un exemple de type d'eau qui est pure et qui ne purifie pas, par exemple, de l'eau qui a déjà été utilisée dans la pratique des ablutions, d'une ablution, d'une ablution obligatoire. Cette eau-là, elle est pure mais elle ne purifie pas. On ne rentre pas dans les détails, il y a des conditions, des détails, etc., mais on ne rentre pas là-dessus. On regarde juste les grandes lignes pour pouvoir ensuite poursuivre InshaAllah wa Et enfin, on a l'eau qui est souillée, l'huma un najis. Et comme l'a dit najis, comme l'a dit l'auteur c'est celle qui a été soit touchée par une najasa, cest à en petite quantité, ou soit cest elle en grande quantité qui a été altérée. Soit le goût, soit l'odeur. Soit, soit la couleur. Et nous, pour le roussel, pour, pour le grand lavage, pour nettoyer, enlever les impuretés, pour faire nos ablutions, nous, on a besoin de l'eau qu'on appelle pahour, de l'eau qui est pure et qui purifie. Il nous dit l'auteur, donc, Ta'ala, il nous dit Moujibat al rousle, ce qui implique. Les grandes ablutions. Ce qui est nécessaire à la grande ablution, ce qui rend nécessaire la grande ablution. Il nous dit, l'auteur, ce qui rend nécessaire la grande ablution, sont au nombre de six. Six points. Moudjibat al-Rusl, c'est tatoun. Al-Awal, le premier point, il a le fil farji. Le premier point, il a fil farji. Le premier point, c'est lorsque la terminaison de la verge disparaît complètement dans l'appareil génital féminin. Voyez, jamais. Deuxième point, il nous dit khuruj al mani lorsqu'il y a expulsion du liquide séminal. Troisième point, il nous dit al hayd. Troisième point, al hayd, les menstrues. Quatrième point, an nifas, les loki ou les lochi. Cinquième point al Al-Wilad, al l'accouchement. Sixième point, al-mawt, la mort. Alors ici, si on regarde bien les, les éléments mentionnés, mentionnés par l'auteur, on peut voir, barakallahu fikum, que ces points qui rendent les nécessaires les grandes ablutions sont de plusieurs types. Il y a des points qui concernent aussi bien les hommes comme les femmes, comme il y a des points qui concernent uniquement les femmes comme il y a des points qui concernent uniquement uniquement les femmes. Il nous dit le premier point rahimahoullahu ta'ala. Alors awwalan, al rousl qu'est-ce que c'est al rousl c'est tout simplement le fait de faire passer le corps sur l'ensemble euh, faire passer de l'eau pardon sur l'ensemble du corps avec une intention bien précise. C'est ce qu'on appelle al rousl Si al al Faire couler de l'eau sur l'ensemble du corps avec une intention bien précise. La première chose, il nous dit l'auteur, qui implique le grand lavage, à partir de là, le, le grand lavage devient obligatoire, elle rousse et devient obligatoire, il nous dit, lorsque la terminaison de la verge disparaît complètement dans l'appareil génital féminin. Là, le roussel devient obligatoire. Bil Consensus Lorsqu'on parle de la terminaison De la verge On ne parle pas de l'extrémité On parle De la tête de la verge Ce qui est caché lorsque notre enfant est non circoncis on a tous participé euh, à la circoncision de nos enfants, etc. Et euh, si, si ce n'est pas le cas, qu'Allah vous, vous facilite et vous offre cette opportunité et vous, vous donne euh, en subsistance des enfants une descendance pieuse et vous donne cette possibilité de pouvoir assister à cela. Et euh, donc, quand on participe, quand on est présent, lorsqu'on voit le médecin qui veut procéder à la circoncision, et bien, il y a un élément de la verge qui est caché justement par ce prépuce qu'on veut, ce qu'on souhaite couper et retirer. Et pour pouvoir la retirer, le médecin qu'est-ce qu'il fait Il fait, il sort et il montre, il met à l'extérieur justement la terminaison de la verge. C'est toute cette terminaison, cette tête justement, cette tête, c'est celle-ci qui doit disparaître entièrement dans l'appareil euh, dans l'appareil génital féminin. Ce qu'on appelle en arabe al-hashafa. Ce qu'on appelle en arabe al-hashafa. Tamam jaïd Donc si cette tête là elle ne disparaît pas à l'intérieur, cela n'implique pas le grand lavage. S'il y a un toucher, juste un simple toucher, contact, cela n'implique pas le grand lavage. S'il y a un tiers, ou bien un quart, ou un sixième qui est à l'intérieur, mais le reste est à l'extérieur, cela n'implique pas le grand lavage. Inshallah. Donc la chose, elle est claire, Inch'Allah. Il faut que tout ceci disparaisse entièrement. Deuxième point, Khuruj al Deuxième point, khuruj al Il faut qu'il y ait expulsion du liquide séminal. Une question avait été posée dans le, dans, le, dans le groupe sur WhatsApp, si vous vous souvenez bien, concernant donc comment différencier les, euh, les différents types de fluides, etc. Et là, on va y venir, et c'est important. Et c'est important. Barakallah, fait comme de pouvoir justement déterminer, car derrière, il y a des, des statuts à travers cela en fonction de, du, de, de, du liquide déterminé, eh ben, chacun aura un statut qui va s'appliquer. Ça peut être soit je deviens responsable, mon calaf, donc maintenant désormais les choses me deviennent obligatoires, soit le lavage me devient obligatoire aussi, elle roussle, soit ici je perds tout simplement mes ablutions et je dois les refaire et je dois laver parce que c'est une najasa, et etc. Donc deuxième, deuxième élément, expulsion de liquide séminal. Encore une fois ici, les ulama disent Khuruj, Khuruj al-Mani, l'expulsion de celui-ci. C'est-à-dire que si la personne sent qu'à l'intérieur de lui, ça remue, ça s'agite, ça bouge, mais s'il n'y a pas expulsion, cela n'est pas pris en compte. S'il n'y a pas expulsion de celui-ci, cela n'est pas pris en compte. Alal -al al il nous explique en nous disant, fait le qu'on a plusieurs types de fluides. On a ce qu'on appelle al-Madi. Ensuite, on a ce qu'on appelle al-Mani. Et on a ce qu'on appelle al-Wadi. Et on a ce qu'on appelle al-Wadi. Il al nous dit, concernant le mani, le liquide séminal, il nous dit que c'est un, un liquide, un liquide plutôt blanc, blanchâtre. Euh, épais, et il est expulsé. Il est, il est expulsé. Jaïd, Montaz, euh, Coup après coup, peu importe, mais expulsion. Tamam, Jaïd. Et il dit, et la, et lorsque celui-ci est expulsé, une fois qu'il est expulsé, on sent une odeur. Ou bien, comme le Il dit, il y a une odeur. Comme de la pâte, comme une odeur de pâte qui a été pétrie, ou bien parfois même comme de, une odeur de comme de, la même odeur que les œufs. Il dit tout ça là, ce sont les caractéristiques de celui-ci. Et il sort lorsque la, lorsque la personne est au summum, on va dire, euh, de la charroi. Au summum de sa charroi, de, de, euh, du désir, etc. Donc, il dit donc tout ça. Ce sont les caractéristiques de celui-ci. Il n'est pas nécessaire que tout cela soit présent. S'il y a juste une de ces caractéristiques qui sont présentes, alors on parle ici de liquide séminal. Ça, c'est pour celui-ci. Ensuite, on a ce qu'on appelle al-Ma'di. On a ce qu'on appelle al-Madi. Al-Mahdi, celui-ci qui était qui est, euh, ce qu'on peut appeler le liquide. Euh, euh, spermatique, il est différent du mani. Il est différent du mani. Celui-ci, il est plutôt ce qu'on a, comme on dit, raqiq Contrairement au mani qui est, on va dire, plutôt épais, etc. Le madi lui, le mani, il n'est pas épais. Hein, C'est un, est, est, est un fluide, transparent, plutôt visqueux, etc. Tamam. Et. Non. Et. Euh celui-ci est, est amené à être expulsé ou il est il sort etc lorsque la personne commence un petit peu à on va dire à sentir certaines choses tamam Adawa. et enfin on a ce qu'on appelle alwadi le liquide prostatique enfin on a ce qu'on appelle alwadi le liquide prostatique qui lui peut venir après l'urine par exemple euh, ou bien lorsque la personne est amené à porter des charges, des charges lourdes, etc. Parfois, ça peut arriver que, eh ben, il y a expulsion de ce wadi. Ce wadi n'a pas d'odeur. Il n'a pas d'odeur particulière. Tamam. Et lui aussi, il est un petit peu blanchâtre, visqueux aussi également, avec un petit peu de, entre guillemets, de, d'impureté, de, de saleté, autre, etc. et la Tous ces trois types de fluides tous ces trois types de fluides, il y a deux, flu il y a deux fluides qui, qui annulent les ablutions mais n'impliquent pas le grand lavage. Ce sont des, ils sont najis, ils sont impurs, c'est des souillures. Ils annulent les ablutions mais n'impliquent pas le grand lavage. bil Ijma' comme l'imam al-Nawawi, ces deux fluides sont ce qu'on appelle le wadi, le liquide prostatique, et le liquide spermatique. Quant au mani, le liquide séminal, lui, il n'est pas impur. Cependant, il implique le grand lavage. Le liquide spermatique, euh, pardon, le mani, le liquide séminal, il n'est pas najis. Il est tahir. Comme a dit il est tahir. Ce pas un souci à ce niveau-là. Cependant, il implique le grand lavage. Il implique le grand lavage et l'acryl. Moi, maintenant, j'ai mon fils. Ça, c'est des saïl qui sont importantes à savoir ça peut être quelque peu gênant embarrassant on est dans de l'ordre de l'intimité etc. mais comme a dit dans les lectures précédentes lorsqu'elle est venue interroger le prophète sur la façon dont la femme devait se purifier et se laver si elle devait le faire lorsqu'elle voit ce que voient les hommes dans certains rêves etc. avant de lui poser la question elle lui a dit Inna la yastahi Certes, Allah n'a pas honte de la vérité. Après, bien évidemment, il y a une façon de dire les choses, il y a toute une euh, pédagogie, méthodologie, etc. Il et a Pas non plus que ça devienne euh, grossier ou autre, etc. Mais c'est muhimma un muhimma jiddan Moi maintenant, j'ai mon fils. Alors, c'est J'ai mon fils. Et il vient, il me dit voilà, il y a Abi, euh, Voilà, j'ai vu quelque chose, etc. Il a créé. Euh, mais je ne sais pas ce que c'est ah, comment je peux lui dire comment je peux dire à mon fils si maintenant désormais eh ben, ah, maintenant tu es devenu un tu es un homme comment ça se passe si je ne sais pas si je ne suis pas capable de pouvoir déterminer justement qu'est-ce qui, euh, qui, qui a été euh, expulsé par ce dernier ou bien même lui par exemple lui comment il peut savoir euh, si maintenant désormais il est mukallaf ou non euh, ce qu'il doit faire ou non s'il ne sait pas Comment distinguer les différents fluides qui peuvent être émis par lui-même. Donc, maintenant, si j'ai mon enfant qui est vers moi, mon fils, il arrive, il me dit voilà, il y a Abi. je suis allé aux toilettes pour aller, pour aller uriner, et j'ai vu, vu un fluide différent de l'urine qui est apparu. Dans ce cas-là, je voulais dire Sifli Hadal Ma'ir. Décris-moi ce que tu as vu. Eh ben, j'ai vu que c'était, euh, c'est sorti par coup. C'est sorti par euh, par coup, C'était plutôt blanc, c'était épais, etc. Il a crié, Ah, Eden, ça c'était, ça, ça c'est du mani. Tu es désormais un ami Ari. Voyez, dans nos cas de figure, qu'est-ce que tu as pu voir Ben, je sais pas, j'ai pas vu. ok, tu n'as pas vu. Mais euh, ça t'a fait mal non, ça m'a pas fait mal, mais c'était plutôt une sensation étrange, agréable ou autre. c'était du mani. Tu es devenu un rajoul. qu'est-ce que tu as vu Est-ce que c'était... Je euh, J'ai pas vu la couleur. Ok. Est-ce que ça t'a fait mal Non, ça m'a pas fait mal, ni quoi que ce soit. Oh. Tu n'as pas senti une odeur particulière C'était si, raciste, ça sentait comme de la pâte. Ça sentait comme de la pâte, comme un peu... Il y avait une odeur bizarre. C'était... Ok, c'est le mani. -yari. Un tal an, wa wa Maintenant, désormais, t'es un homme, t'es mon tu t'es responsable. Il faut que tu fasses aussi cela. Il faut que tu fasses ton rousle Et là, Qu'est-ce que tu as vu C'était transparent, visqueux, etc. Ça a juste à couler comme ça, etc. Ah, hada, c'était du wadi. C'était juste, voilà, une petite goutte, etc. Et transparente, plutôt comme c'est comme ça, visqueuse aussi également. Ah, ça, c'était du madiyahé. Va te laver, etc. Juste, tu laves ce qui a été touché par les impuretés, etc. Et si tu avais fait tes ablutions par, au préalable, eh il faut que tu les refasses car ça a annulé tes ablutions. Humour pas. Simple, mais important à savoir car justement, ça nous permet de déterminer ce qui doit être fait et de la bonne façon, Inch'Allah, Tabaraka wa Ta'ala est-ce que ce que nous avons déterminé évoqué concerne aussi également a, la femme c'est pareil également pour la femme car dans le hadith de um Salama lorsqu'elle a interrogé le prophète celui-ci lui dit quoi donc le prophète alayhi wa sallam tout à fait si elle a vu de l'eau si elle a vu du liquide si elle a vu du liquide donc tout comme les hommes la femme aussi également il y a un mani tout comme les hommes, la femme aussi également, il y a du madi il y a du wadi, comme disent les ulamas. C'est exactement euh, la même chose. Ce qui va impliquer le grand lavage, ce qui va impliquer le grand lavage pour la femme, ça va être pareil, l'expulsion de ce mani. Si ce mani il est expulsé, etc. Il avec les mêmes caractéristiques que nous avons mentionnées, il faut juste qu'il y ait une de ces caractéristiques. C'est tout. Encore une fois, juste une. On ne va pas rentrer dans les détails, etc. Mais juste une de ces caractéristiques qui sont présentes, alors le roust devient obligatoire. Tout le reste, barakallahoufékoum, tout le reste, tamam, euh, n'importe quel fluide, euh, euh, comment s'appelle, les, les pertes, etc., pertes blanches ou autres, il a achéri, koulouhadil cela n'implique pas le grand lavage. Ça, ça implique uniquement quoi donc Les ablutions, c'est najis. C'est des impuretés, on nettoie, on, fait nos, on refait nos ablutions si on, a, si on doit refaire nos ablutions, si on, si on veut prier ou autre, tout simplement. Mais ça n'implique pas le grand lavage. Ce qui implique le grand lavage, c'est uniquement le mani. Pareil pour les femmes, donc tous ces autres liquides-là, tous les autres fluides, n'impliquent pas, barakallah euh, le, grand, le grand lavage. montaz Donc ça, c'était pour cette, pour cette partie. Troisième point, il nous dit l'auteur, rahimahullah ta'ala, al-haïd. Troisième point, al -hayd. Il nous dit les menstrues. Ici, sur le PDF, ça a été marqué en quatrième, euh, mais euh, c'est peut-être une mystérieure. Al-Hayd, les menstrues. Une fois que les menstrues sont terminés, le grand lavage, par la suite, devient obligatoire. Et on avait déjà vu donc, au départ, par médecine de la liberté à quel moment viennent euh, les menstrues ou autres, etc. Et là, Akhrihi. Quatrième point. Nifas, il nous dit l'auteur, les ou les Donc, à ces points-là, on est en train des points qui concernent uniquement la femme. Al-Hayd, les menstrues, Al-Nifas, donc les Nifas viennent après l'accouchement. Donc, c'est du sang, pareil, qui est expulsé, tout comme les menstrues, après l'accouchement. Il y a un point maintenant à préciser concernant les menstrues. C'est que les menstrues chez Indana dans le Madhab, ça, c'est important. On a dit qu'on ne donnerait, donnerait pas trop de détails, mais quand même, il y a un minimum d'éléments importants à savoir, surtout pour, euh, euh, pour les femmes qui aimeraient sans doute connaître ces points-là. Et considérer comme étant des monstrues, barakallahu barakallahoufikoum, un écoulement de sang qui, minimum, dure yom layla, au moins 24 heures, un jour et une nuit. Si on a des écoulements de sang qui, sont, qui, qui arrivent, qui coulent, etc., mais ça dure moins d'un jour et d'une nuit, ce ne sont pas des haïds. Sauf si, barakallahu fiikum, ce, ce sang vient durant la période des monstrues et que la personne, elle a ses de telle ou telle façon. Là, on rentre dans un autre, dans un autre registre qu'on verra ça par la suite, incha'Allah, Mais le minimum, c'est un jour et une nuit. Wa c'est Maximum, astaghfirullah, khamsta Le maximum, c'est 15 jours. Le maximum, c'est 15 jours. Au-delà de 15 jours, ce ne sont plus des monstrueux. Au-delà de 15 jours, on rentre dans ce qu'on appelle les métroragies. Tamam, Jayid. Les Nifas, un Nifas, c'est pareil. Les Loki ou bien le Loshi, c'est exactement la même chose. J'ai eu un accouchement. Rabbil Derrière, il y a un écoulement de sang. C'est tout à fait normal. طبيعي, c'est naturel. Le minimum, ça peut être un instant. Lahava. Une poussée de sang, une expulsion, Ça c'est le minimum. Comme il peut n'y avoir rien du tout. Mais s'il y a écoulement de sang, le minimum, c'est Le maximum, c'est 60 jours. Au-delà de 60 jours, ce ne sont plus des loquis ou des lochis, ce sont des métrorragies. Tamam, Troisième point qui concerne uniquement les femmes encore également, al l'accouchement. الولادة من En arabe, on appelle nifas. Pourquoi on les appelle, pourquoi on appelle cela nifas? On appelle cela nifas les خروج nafs Parce qu'en fait, ce sang, il vient après qu'il y ait eu la présence de ce qu'on appelle un nefs بعد النفس. les C'est pour ça qu'on appelle ça nifas. une فقط. Cinquième point, l'accouchement. Donc, parfois. La femme peut accoucher, et derrière, il n'y a pas du tout de, de, de d'écoulement de sang, etc. Il n'y a strictement rien, alhamdulillah Rabbil Est-ce qu'on lui dit non, c'est pas la peine de faire le roussel il n'y a pas eu de sang, etc. Nous disons, naam, il faut faire le roussel quand même, malgré tout. Il faut faire le rousl. Là, une question pertinente pourrait se poser, mais pourquoi Alors qu'il n'y a pas eu d'écoulement de, de sang, il n'y a pas il n'y a pas eu, il n'y a pas eu. Il les parce que l'enfant le, qui est venu, qu'est-ce que qui est sorti, qu'est-ce que c'est C'est ce qu'on appelle Mani yun Ce n'est uniquement que du liquide séminal qui a été fructifié, etc. Et de là est venu à donner naissance à un enfant. Alhamdulillah alamin Mani c'est la rencontre du liquide séminal masculin avec celui du féminin, et de cela, ben, voilà, on ne va pas faire un cours de, de, de biologie. Tout le monde sait un petit peu comment ça se passe. Et l'enfant est venu, Voilà pourquoi les fouqas disent que même s'il y a uniquement l'accouchement sans écoulement de sang, on fait malgré tout, barakallahu euh, fikum, le grand lavage. Et enfin, le dernier point, al maut la mort. Le dernier point, la mort, excepté pour celui qu'on appelle le martyr, al-shahid. Et il y a une autre aussi exception, mais ça on le verra par la suite, incha'Allah, Donc ici, le moussan, est faut ta'ala, nous avons donc, il a évoqué tous les points qui impliquent le grand lavage, les six points qui impliquent le grand lavage. al-an, comment se fait le grand lavage Il nous dit le Allah ta'ala al Les piliers du grand lavage sont en nombre, sont en nombre de deux. L'intention, et deuxième point, c'est quoi donc water badani bilma, l'ensemble du corps doit être touché par l'eau. Des questions ont été, évoquées, euh, ont été posées, je pense, dans la Majumua, dans le groupe, etc. On répète au cas où euh, certains n'ont pas forcément euh, entendu autre. Donc, ce sont les deux seuls et uniques piliers pour la réalisation des grandes ablutions. C'est-à-dire que si moi j'ai mis l'intention de faire mon roussel et ensuite je, me, je baigne complètement dans de l'eau, je ne sais pas, je suis à la plage ou autre, etc., je rentre entièrement dans l'eau et je ressors. Tout mon corps a été mouillé, a été touché par l'eau, mon roussel a été réalisé. Ça, c'est le rousle. Ça, c'est le rousle obligatoire. Ce sont les deux piliers du rousle. Vous voyez, Jamil. À partir de là, tous les autres éléments, ce sont des sunan. Ce sont des choses qui sont recommandées, minas sunna, etc. Il n'y a pas de problème là-dessus. Mais ce n'est pas obligatoire. Mais ce n'est pas obligatoire. Ce qui est obligatoire, c'est l'intention de faire le roussel. BarakAllahu fikum, L'intention de faire le, le roussel est que l'ensemble du corps doit être touché par l'eau. Tout le corps, toute la peau, tous les poils, tous les cheveux. Une question avait été posée concernant les cheveux. Si euh, tous les cheveux devaient être euh, tout, tout, touchés par, euh, lavés par l'eau, etc., et touchés par l'eau, etc., il y a des propos de certains Foukhan, comme Ibn Qasim, Ibn Qasim, al alayh qui peut faire comprendre que c'est uniquement Asl, al mais, comme l'a mentionné Taqidin al donc il fait l'Akhriar. Même les cheveux, la longueur des cheveux, etc., tout ceci doit être lavé, Inch'Allah, Donc, ça, ce sont les deux piliers du roussel. Il nous dit ensuite, après cela, il passe à un nouveau, un nouveau fasle, une nouvelle section, et il nous dit, les conditions de la petite ablution. Donc, on a le roussel, ce sont les ablutions majeures ou les grandes ablutions. Et enfin, on a le wudu, les ablutions mineures ou les petites ablutions. Il nous dit, l'auteur, Rahimahullah les ablutions sont au nombre de 10. Les conditions des ablutions sont au nombre de 10. On a vu les piliers, on a vu les piliers des ablutions au départ. Ta tamam, laver le visage, les mains, etc. La les a vu les piliers de, de, des ablutions, al furud Maintenant, on voit les conditions. C'est-à-dire, avant de faire mes ablutions, je dois d'abord remplir ces conditions-là. Car les conditions sont, la condition est toujours à l'extérieur, avant l'adoration. Il a mentionné dix conditions, et ces dix conditions, on peut les diviser en deux catégories, en deux types de conditions. On a des conditions, si on remarque bien, c'est des conditions qui vont concerner l'obligation de faire les ablutions. C'est-à-dire que si je remplis ces conditions-là, là, barakallah fikum, il m'est obligatoire de faire mes ablutions. Ce qu'on appelle short al wujub Et si on observe bien, on a d'autres conditions mentionnées ici par l'auteur, mais qui concernent plus ce qu'on va dire, as siha conditions de validité des obligations. Taïb, jayid. Il nous dit l'auteur rahimahullah ta'ala. Première condition al islam. La première condition c'est al islam. C'est-à-dire que celui qui n'est pas musulman, ses ablutions ne sont pas valides. Ses ablutions ne sont pas valides. Pour que les ablutions soient valides etc, il faut que celui-ci soit un musulman. Donc première chose l'islam deuxième condition ce qu'on appelle pour pouvoir faire preuve de discernement Al-Tamiz qu'est-ce qu'on entend par Al-Tamiz on a dit que barakallah comme le tamiz c'est lorsque l'enfant bah les faqahas disent que généralement ça arrive à 7 ans généralement ça arrive à sept mais ça peut arriver avant et ils disent que les fuqaha c'est lorsque l'enfant il est capable il commence à être autonome il peut commencer à se laver tout seul euh, il, il comprend, il distingue le bien du mal, etc. Euh, il comprend ce qu'on lui dit, il comprend le discours. Si je lui dis, va me chercher du pain, euh, va à la, à la petite boutique d'à côté, tu me ramènes du pain avec ça. Il y va et il ramène le pain avec ça. Il ne me ramène pas euh, un pneu ou euh, une bouteille, etc. Il a acheté. Voilà ce que disent les Fouqa. Hein, un petit garçon qui est débrouillard, qui comprend bien, etc., qui commence à être. Euh, à bien comprendre et à bien assimiler, euh, assimiler, assimiler les choses. D'accord tamam. Troisième point, « Al-naqa'u a'anil haybi wa'al-nifas » Absence de monstrue et de loki ou de lochi pour la femme. D'accord Quatrième point, quatrième point, « Wa'amma yamna'u usul al-mai al » Retirer tout ce qui peut empêcher, empêcher l'eau de toucher la peau. On a donné un exemple sur le PDF la peinture sur les mains, le vernis, etc. Donc, tout ce qui peut empêcher l'eau d'atteindre la peau, on doit le retirer. Ça, c'est une condition. Cinquième condition il ne doit pas y avoir sur la peau une matière ou n'importe quel autre corps qui peut altérer l'eau, changer l'eau. Tamam Sixième condition, wa al, al avoir connaissance du caractère obligatoire des ablutions. Donc là, il faut que j'ai dans, dans ma niya, lorsque je fais, lorsque je fais ma niya, il faut que j'aie conscience que ce que je fais, c'est un acte qui est obligatoire. Elle Septième condition, Septième condition, il ne faut pas du tout, surtout pas, que j'ai la conviction que un de ces piliers des ablutions sont des sunnas, c'est juste recommandé et que ce n'est pas obligatoire. Ava, c'est très important. C'est comme la personne, pour donner un exemple, on va dire plus grossier et plus, plus simple c'est comme une personne par exemple qui fait la prière il prie toute sa vie il n'a jamais loupé une seule prière mais lorsque tu lui dis la prière est obligatoire tu va te dire, non elle n'est pas obligatoire c'est une sunna ça c'est pas valide ça ce n'est pas valide même s'il a prié toute sa vie il n'a jamais loupé une prière mais s'il est convaincu que c'est pas obligatoire dans ce cas là ça, 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 ça ce n'est pas valide et même pour aller plus loin c'est même un autre statut mais euh, on n'est pas là Ensuite, huitième point, huitième point, Alma ou Walma ou Utilisez une eau qui est pure et qui purifie, qui a toujours son pouvoir purificateur. Alma tahur Vous vous souvenez au début qu'on a parlé quand on a commencé à parler de l'eau, on a dit y a trois types d'eau eau qui est pure et qui purifie, eau qui est pure et qui ne purifie pas, et une eau qui est impure. Alma al Nous, on a besoin de l'eau qui est pure et qui purifie. Neuvième point, d'ukhul al-waqt, d'ukhul al-waqt, l'entrée du temps, l'entrée du temps. Ici, si cher Salim ibn ben, 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 Abdullah ibn soumer al-Hadrami, il a mentionné cette condition, mais pourquoi Cette condition, elle ne concerne pas tout le monde. Cette condition concerne un, une personne bien précise. On va voir pour la suite, Inch'Allah, tabaraka Allah, juste après la dernière. Il dit « dernière condition ». La successivité, al-mu'ala, les da'imi al-hadath, pour celui qui est constamment en impureté. Donc l'entrée du temps, ces deux dernières conditions, l'entrée du temps et la successivité des mouvements et des actes durant les ablutions, barakallahu fiikum, concernent une seule personne. C'est celle qui est atteinte ou qui est constamment en état d'impureté. De quelle façon Incontinence urinaire, métroragie, du sang qui coule tout le temps, et etc. Peu importe l'impureté, ça peut être n'importe quel type de pureté, les pertes, etc. Il y a des personnes qui souffrent à ce niveau-là, qui a constamment, 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 constamment des pertes, etc. Et là, ça prend les ulama ah, ils font un qiyas, comme dit le mannaoui, ça prend le même statut. Il y a des personnes qui ont constamment Du ma vie, ça prend le même statut. Et à partir du moment où il y a une incontinence, peu importe le fluide, ça prend le même statut, Inch'Allah. Donc, cette personne-là, elle ne fera pas les ablutions, par exemple. Là, on n'est pas encore dans le temps du marais, par exemple. Et moi, je vais faire mes ablutions de suite. Il n'y a pas de souci. Mais la personne qui souffre de cela, les ils vont lui dire Non, tu ne fais pas des ablutions maintenant. Tu attends l'entrée du temps pour pouvoir faire tes ablutions. Pour la prière. Pour la prière. Si c'est pour la prière, si maintenant la personne fait ses ablutions pour pouvoir lire le Coran, etc., là c'est autre chose. Mais encore une fois, faut tu le fais tes ablutions et tu le fais la lecture du Coran de suite. Tu enchaînes. Mais pour la prière, si c'est pour la salah, on va lui dire non. Tu attends. À ce moment-là, toi, ce n'est pas nécessaire. Parce que toi, tu es constamment en, en état d'impureté. Toi, tu as besoin de faire, le, de faire les ablutions pour pouvoir avoir l'autorisation de prier, ce qu'on appelle l'ibaha, l'autorisation de pouvoir prier. Mais non pas pour te purifier, car tu ne peux pas te purifier, étant donné que l'impureté est constamment présente. <t 'en> Et ça, on le voit, ta'ala plus en détail, encore une fois, dans les, les autres koutoubs. Donc, ça, ce sont les conditions, barakala, comme pour la réalisation des ablutions, donc je remplis ces conditions. Ensuite, je respecte les piliers des ablutions qu'on avait vu lors de la, de la lecture précédente. Ta main. et enfin, ensuite, je fais la section numéro 9. Et je prends garde, attention à ne pas être dans le cas où euh, je risque d'annuler mes ablutions. De quelle façon les, les ablutions peuvent être, euh, peuvent être annulées? Il nous dit l'auteur, Rahimahou Ta'ala, « Nawaqidu wudoui arba'atu ashya » Les annulatifs des ablutions sont au nombre de quatre. « Al-khariju min ahadis sabileyn min al-quboli awid dubur »« Rihun aw ghayruhu al mani »« Tout ce qui sort des orifices naturels, devant ou derrière, gaz ou autre, excepté le liquide séminal » Deuxième annulatif, quoi donc ?« Zawal al-aqli binawmin aw ghayrihi » perdre connaissance en dormant ou autre, excepté celui qui dort assis tout en étant conscient, tout en étant conscient de ce qui se passe autour de lui. Tamam. Troisième annulatif des ablutions, le toucher peau contre peau entre un homme et une femme non mahram. Ça, c'est un point qu'on va juste un tout petit peu développer ta'ala, ta car ça c'est un point c'est une masse c'est un sujet qui revient souvent euh, dans le fiqh. et les questions autour reviennent souvent à ce niveau là quatrième annulatif toucher les parties génitales de tout être humain ainsi que la partie anale avec l'intérieur de la main ou des doigts on va on va s'arrêter on va s'arrêter là on va voir demain, en détail, les annulatifs des ablutions. On va revoir là-dessus, on va revoir ces points. Et comme on a dit, on va, développer, on va légèrement développer le toucher pour contre peau. Et ensuite, on terminera avec tout ce qui concerne les actes, les actes interdits, sans ablution, etc. Il a accueilli, Inch'Allah, Tabaraka wa Ta'ala. Walhamdulillahi Rabbil وصل اللهم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك